Bonjour. Vous aimez rire? Vous avez de la difficulté à rire? Vous souhaitez remettre plus de rire dans votre vie? Vous êtes au bon endroit. Bienvenue à la Victoire de la Joie. C'est France Paradis, animatrice certifiée en yoga du rire. Aujourd'hui, on a une belle intention qui va vraiment dans le sens. C'est « Ma vie a du sens » ou bien « C'est à moi de mettre du sens à ma vie ». Alors, je vous retrouve tout de suite. À tout de suite! On est super! Yeah! Comme je vous le disais tantôt, notre intention, c'est « Ma vie a du sens ». Mais ce qui est important, c'est aussi le sens que nous donnons à notre vie. C'est plus simple qu'on peut le penser. Pour ma part, moi, j'aime beaucoup, beaucoup jouer de la musique. C'est mon plaisir. Faire une petite pièce au piano pendant le temps des fêtes ou pendant toute l'année, jouer un petit morceau que j'aime, ça me met en joie. Animer des gens, j'adore. C'est vraiment ma nourriture de cœur. Et spirituel aussi, de rencontrer des gens, de jouer avec eux, de chanter avec eux, de danser, de rire. C'est tous des moments qui sont précieux puis qui donnent du sens à notre vie. Alors, pour le petit exercice, on va y aller simplement, comme on le sent, avec vraiment le rire, de l'appréciation de la vie et du sens que nous donnons à notre vie. Peut-être que vous, c'est de faire de la peinture, sculpter, faire des photos, chanter, danser. Qu'importe ce qui compte, c'est que vous soyez en joie. Ça peut être écrire aussi, écrire des histoires. La créativité. Dans notre rire, on va chercher aussi notre énergie créatrice parce que c'est votre énergie à vous que vous allez chercher à l'intérieur pour justement vous connecter à vos mémoires joyeuses, les mémoires qui vous ont rendu heureux dans les moments de votre vie. Vous avez le droit d'aller vous connecter à ces mémoires-là pour justement stimuler votre rire et rester dans la gratitude et l'appréciation. Alors, youpi! Et vivre, laissez vivre. Ah, ça fait du bien. Et ça peut être, on inspire l'amour, aimer, être aimé. Et on laisse surgir ce qu'il y a à surgir. Parfois, ça peut être dans le rire, l'énergie du rire qui va surgir. Parfois, ça peut être dans l'énergie de la tristesse sous forme de pleurs. Ce qui compte, c'est la libération émotionnelle. C'est de se laisser nettoyer, de laisser vos émotions parler pour vous. C'est quand même le langage du corps. Alors là-dessus, je vous encourage et je vous invite à prendre soin de vous. Si vous souhaitez me faire un commentaire en dessous de cette vidéo, ne vous gênez pas, ça va me faire plaisir qu'on puisse échanger ensemble. Prenez soin de vous et je vous aime. Bye!